Donc, un plaisir pour nous recevoir. Pierre Espérance, c'est directeur du réseau national défenseur droit monde et RNDDH. Monsieur Espérance, bonjour. Un plaisir pour nous parler avec vous au matin. Bonjour et toute équipe magique là. Ça fait longtemps et nous pas parlé. Et donc, nous sommes disponibles pour nous parler de situation pays, côté que rien pas marché, rien pas évolué, dans aucun domaine, dans rien. Pas aucune amélioration pour population, hein. Et aucun et bagage positif arrivé depuis et Américain et t'es retiré si pour by Dr. Ariel Henry dans date 5 mars 2024 où il y a un travail qui fait côté qu'il y a un accord politique accord 3 avril 2024, c'est accord qui mettait conseil présidentiel là qu'il a que c'est international là qui imposait secteur total la donne et puis un bon gouvernement et il y a marqué et pas sur place et c'est plus propagande mais ou pas un résultat ou pas rien et puis tout gouvernement ça vient et puis mal ça nous a pris et reproché gouvernement avant dans mec des mondes dans l'arrière et sirène et yo absorbé plus fort dans unité spécialisée dans la police là dans bande machine avec bande sécurité cortège et ou pas ça il a réglé et pour population et territoire qui était perdu pas jamais récupéré et gang toujours et continuer massacrer terroriser population hein? Et ou pas ouais qui plan et sécurité et qui et ou pas annoncé aucun plan sécurité ou bien une force multinationale avec tout et grand pampan et qui t'a fait nous songer c'est depuis octobre 2022 et Nations Unies voté pour une force qui vient et finalement premier contingent arrivé en Haïti le 25 juin 2024. T'es gagné environ 200 policiers kenyans, et puis, mi-juin, et environ 200 encore, ça fait, yo 400, et souterrain, et pendant tout le mois de mai, gagné pile, et avions militaires américains, avions privés, et cargo, et t'as transporté équipement, matériel, blindé, et pour Fossa, et Fossa Vina, et nous voyons que c'est chaud, et Abbaye, qu'un journaliste kényan, qui est dans CNN, et c'est menu, et plat manger, il a montré qui qualité manger a mangé, et moi, mal et Kenya, 3 fois déjà, moi, Kenya, son pays qui est pas mal, il y a qu'on mangeait, il y a mangé, et c'est ça, mais on parle rien qui a amélioré la question de sécurité et population. Nous t'entendez où là, monsieur Espérance? Oh, Robinson, congratulations, Robinson, excusez-moi de dire ça publiquement, et compliments, et compliments, et pour aider ça au saut de boucler là, et puis avec, bah, qu'on est, gros cérémonie, moi, ouais, et diplôme, donc, Haïti maison, et continuez, bon travail. Merci un peu, monsieur Espérance, pour ça. Maintenant, là, à propos d'introduction, avant même et toute question, ou mettez cadre là, et maintenant, m'en vie prend avec vous des cas spécifiques, et Gantier, ou est étendu ça qui a passé, Gantier, communication, la police là, dans certains cas, semble déphasée. Par rapport à ça, nous gagnons comme signal que communauté et des résidents voyaient, ben nous, Elie, on s'y tout, et par assemblée à ça, gagnons notamment la Mossanjou, lui-même a mis en scène. Qui considération qu'a fait sous Gantier et qui information gagne sous Gantier? Et bon, avant nous arriver Gantier, nous avons parlé d'abord sous ça qui a passé Carrefour. Et pour arriver dans zone et Carrefour Glissier et sous
et gouvernement ça ouais côté que et une autre fois encore une autre massacre et DDH et dans quelques jours avant longtemps nous avons un rapport qui va sortir sur le premier massacre hein, qui fait en tout cas ça nous documenté sous et administration et CONI et conseil présidentiel là ouais et donc n'a pas et fini un rapport hein, et ou capable ouais que et Carrefour et gang yo prend Carrefour net et pas aucune disposition qui prend bon côté et la force publique pour et population et Carrefour t'a capable et circuler t'a capable et évacuer et à occupation et m'a dit évacuer occupation excuse-moi et en pile monde a parlé des greffiers mais il a pas parlé de ça qui a passé à l'intérieur Carrefour. Carrefour et bandi et yo prend Carrefour et yo fait ça yo voulez toute ville toute Carrefour net yo prend ni yo fait ça yo voulez yo voler caille et puis les et avant gouvernement ça t'est monté et les et bandi ont forcé et policiers qui étaient commissariat Carrefour et depuis les ça et la police a pas de contrôle Carrefour et nous capable ça a des semaines côté que et c'est et policiers et alors et prisonniers qui dans prison civile Carrefour et nous qui j'ont transporté dans camion mais c'est sous gouvernement ça hein et sur l'équipe qui là sur l'administration qui là yo pour te voyo na Tigwa et pour courir en bas insécurité bandi yo ouais ça veut dire que territoire continue à perdu donc et nous perdu Carrefour sous administration ça qui là et j'aimerais dire et premier massacre sous pouvoir ça et ça théorie sur fait gang yo et NDDH et il va la sortie dans jour qui vient yo maintenant et Gantier Gantier et dans un premier temps et Kenya a été annoncé qu'il était gain contrôle zone là et puis yo vinn quitter elle et là vinn quitter lui et bandio et la mort un jour et ouais ça yo allô oui n'attendo oui n'attendo oui la mort un jour nous ouais et tout ça l'a balancé et ça a dit à faire et Jean l'a metté et la police là et en défi a exposé munitions a présenté munitions avec les armes et quel gain ouais et Jean nous dit lui pas de rien pas de progrès pas de rien qui fait et avec équipe qui l'a dans question sécurité et en plus de ça, yo vinn gagnon quand même il y a un bagage en plus que et équipe qui était là et pas de gagner et c'est ça nous relé et force là quand même gagne 400 Kenyans et qui là yo là et nous pas senti yo et nous pas senti yo et n'a posé tête nos questions. Est-ce que c'est pas maladresse ou mauvaise planification qui est provoqué, qui accélère sa arrivée et Gantia? Ou pas capable de prendre une disposition pour aller contrôler une zone, et puis après ça, pour venir et râler, pour venir râler corps. Mais, qu'on y est là, il y en a un plus gros problème qui posait au niveau de l'équipe qui se pouvoir, ça, qui, ou te prend gouvernement et conseil présidentiel là. Et ils ont pas travaillé ensemble et ont pas senti et conseil présidentiel là a exercé prérogatif et attribution et présidentiel et gagné et n'a pas les conseils n'a pas les conseillers non pas senti ça et ou vient bientôt et conseiller qui n'a scandale l'autre problème ou gagné et bon côté et
et gouvernement, tout d'abord au niveau conseil là, c'est pas prendre noyer. Il y a des secteurs qui fait partie des conseils là, c'est des secteurs qui participaient dans gangsterisé pays, dans voler l'argent pétro-caribé et qui n'en mettait institution au plate. Et qu'on y l'a vu le gouvernement, la façon gouvernement campé à même gouvernement ça, son gouvernement très très conservateur. Et ou pas ou est tout, et alors, il y a une bagaille qui nous observait, gagné et trois monde qui dans des secteurs mafieux et qui t'a crasé pays a et qui très influent dans gouvernement et puis tout ou gagné des monde tout dans et la presse là de journalistes qui y a pas pile non qui qu'on a mais gagné quelques au moins yo cinq qui qu'on a fait promotion pour gang au moins gagné une qui a business avec gang gagné tout qui compte bas bandit micro pour faire pression sous et famille pour et pour y capable payer quoi pour monde kidnapper et qui très proche et gouvernement ça veut dire que le secteur mafia même secteur et mafia qui est confortable et particulièrement quelque là donc dans la presse ça il y en a le secteur tout qui confortable avec question gangsterisation pays a il y a trop et bagarre qui a passé dans sécurité a et qui vient faire que et ou pas équivalent que si équipe Gariconi même pas démarquer des monde ça ou pas équivalent comme président CSPN n'est capable et avancer dans question sécurité a croaqué et nous vous reconnaître que Gariconi lui-même dit très et préoccupé c'est une préoccupation pour lui pour question et sécurité a donné résultat mais ou pas capable mettre chat de matin l'aime dit chat mettre matin là pas parler des premiers ministres non et ben m'a parlé des monde qui dans toi ali qui capable et particulièrement et ça qui il y a avec gang qui n'a pas ça capable et faire information ce qu'il est à jeune gang yo moi penser il est important pour regarder et pour parler avec monde qui c'est lié monde qui honnête pour lui ouais gagner monde qui autour de lui même faut le démarquer parce que monde ça par contre l'autre bagaille c'est et affaiblir l'état c'est gens l'état hier c'est gens pays hier c'est comme ça confortable c'est là dedans yo fait comme yo donc moi-même c'est l'autre problème que nous avons toujours au niveau gouvernement CSPN et chef la police nouveau chef la police et pas de suffisamment communication qui fait avec population alors l'aime dit communication et pas parler propagande non mais vraiment et information communication sa population doit connaître et par exemple ou bien sa société a et doit connaître il pas forcément toute information public mais il y a des monde dans société a doit connaître et jodi a nous pas connaître effectif police là ça c'est un nous pas connaître dans qui état équipe ça a monté là et près la police là et pas information nous pas connaître tout combien blindé la police là et gagné et puis tout et ou t'es déjà gon police et tête en bas on pas et qui en désordre on police qui presque écrasé ou gagne trop un paquet de policiers pas gagne chiffre non pas gagne pourcentage qui n'a fait pas ça ou gagne paquet tout qui veut travail ou gagne trop policiers qui en détachement avec une série de monde qui pas gagne y a pas gagne dans l'état mais jodiant et nous penser équipe qui était et qui là d'après faut une meilleure gestion de et sous l'état et particulièrement la police là et sous garde et quantité cortège qui dans la ria et plus fort et policiers qui dans unité spécialisée yo en détachement avec directeur général ministre premier ministre et CP ouais chaque membre CP c'est des backups qui ont gagné et donc pas qu'il y a rien pour population ouais donc et puis tout par une cohésion entre le conseil là et présidentiel là avec le gouvernement
et yon ap taye zeb en papier lot et qui sera perdu et ces populations déjà ou gagné un accord 3 avril 2024 là c'est 20 mois c'est 4 mois ou déjà perdu là qui bilan qui ça qui changer qui ça améliorer et ça nous a les pour yo même gens territoire tout perdu et gang yo toujours été arrogant et yo toujours été puissant ouais et si on côté ou capable dire oui et c'est vrai et ça capable arriver que le gouvernement ça a pas alimenté gang yo pas payer gang mais yo gen moun nan entourage yo ki nan gang yo ouais donc même j'aime capable dou et ces populations pour souke koli et faut que gouvernement faut conseil là il faut qu'on ressaisi yo pas de résultat et nous pas ça après les populations. Mm-hmm. Maintenant au so, de la ben nous avons question allez-y ben. Non, on peut dire sur gouvernement qui est passé à Ariel Henry et des grandes critiques qui étaient qu'on allait comme Kondadou gouvernement lent et de mèche avec bandio. C'est ça qui fait le pas de cafanier, c'est ça qui fait le pas de capable de prendre des mesures et solides contours. Et vous tenez la logique, ça, tout, et puis l'expérience. D'une autre dire là, est-ce que vous dites même pas là, pour David Kony? Non, moi je dis ça déjà, oui, Mbawel. Moi je dis, et David Kony, et lui montrer les gains en pile souci et en pile volonté pour tabayer résultat dans la question de sécurité. Mais il est très 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 mal entouré. Il est mal entouré. Et je n'ai pas aucune indication, je n'ai pas aucun signal. Et je dis que où est l'état-major de la police. On parle de ministre en poste, cabinet et présentiel. De qui est-ce que tu as parlé de Manantouya? Allô? Allô? Monsieur Spéas, vous avez nous? Et reprends une question à moi. Ou ben ni pour l'étiben? Non, ou dit, docteur Kony gagne volontaire, mais il est très mal entouré. L'on parle de mal entouré, de qui est-ce? Yo en pile. Yo nan cabinet, et yo nan top nan cabinet li, et yo nan entouré li konne yo. Gen moun ki parle avec elle. Faut le démarquer yo de moun ki t'a pas alimenté gang yo. Et faut qu'il démarquer li avec des moun. Et faut qu'il démarquer des moun qui participer dans craser pays et dans voler l'argent Petrocaribe parce que Gary Kony connaît bien l'était premier ministre c'est Petrocaribe qui portait l'aller ouais même dit qui portait l'aller c'est parce que justement et gain information qu'il était et a cherché connait les par rapport avec et il est pas d'accord avec Jean et il était détourné l'argent Petro et Petro Caribe et c'est ça qui portait l'aller mais mon yo là yo avec lui yo l'entourage lui yo n'en fini donc et c'est des en pile là donc c'est des moun yo qui a pas alimenté gang yo mais jodia nous pas aucune indication. Attendez, monsieur Science oui monsieur Science deux moun jadis